Face aux hommes d'affaires américains ce lundi à Washington, le Premier ministre présente la force de la destination Côte d'Ivoire. Les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations veulent renforcer leur coopération économique. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, Patrick Hachi démontre les progrès enregistrés en dépit des crises mondiales. Et nous avons donc présenté toutes les opportunités, la vision 2030 du président, les différents secteurs clés stratégiques dans lesquels ces investissements sont attendus et quelles étaient donc les possibilités pour les hommes d'affaires américains de s'intéresser à ces différents secteurs-là. Le Premier ministre invite le patronat américain à rejoindre la vague d'investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Comme je leur ai dit, pour nous aujourd'hui, l'axe clé, c'est la chaîne des valeurs, c'est la transformation structurelle de notre économie avec la transformation locale de nos matières premières. Et là, ils ont extrêmement bien perçu, je dirais, ces angles-là. Ils sont partants. Je crois que ça a été une très, très, très riche et très bonne rencontre dont nous attendons beaucoup d'effets liés au niveau de notre croissance, mais surtout de l'impact sur nos populations et nos citoyens. Notons que le chef du gouvernement a eu cette journée plusieurs audiences, dont celle avec Scott Nathan, CEO de la Banque de développement des États-Unis.